Hey hey hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du challenge des enfants parfaits! Nous avions quitté cette maisonnée après une de dures, difficiles, longues et éprouvantes premières journées. Et maintenant ils sont tous au lit, sans que c'est le pied total! On a aussi galéré un petit peu sa mère pour. Ah oui, il y avait les bouées encore là, c'est vrai. Avoir de la thune parce que papa il a commencé un nouveau job, sauf que papa il a besoin d'un PC et on n'a pas de sous pour un PC. Il y en a qui sonnent ici. Hugo, Robert, mais va te faire mec, d'où t'appelles ma fille à minuit quoi, t'es fou toi. Bon allez, on va passer un peu de temps parce que sinon on n'a pas fini. Et une première morpionne qui se lève, c'est Louise, l'extraterrestre. Alors Louisette, tu vas faire un pipi. Voilà, ça c'est rigolo, dis donc la vie. Tu vas prendre une douche aussi. Puis tu mangeras quand papa il fera le petit déj. Alors papa, ça y est, il peut se lever aussi. Papa, est-ce que tu peux prendre une petite douche? Prendre une douche. Tu pipites. Ah ça y est, mon dieu, ils se lèvent tous. Au secours! Servir le petit déj. Vin perdu, excusez-moi, c'est juste le bordel derrière. J'ai les chats qui sont en mode je te castagne la tronche. Ah! Ils se lèvent tous, ils se lèvent tous, ils se lèvent tous. Au secours, au secours, au secours. Attendez, il faut que je les gère. Il y a le bordel qui vient dans toute la maison. Non, attendez, alors, repose. Tac. Paul. Toi, ça va. Mais toi, tu dors. Donc forcément, tu m'enquiquines pas. Elle, ça va. Est-ce que lui, dort. Toi, oui, tu vas aller au pipi room. Ça va te faire du bien. Donc toi, tu joues à la poupée. Est-ce que tu peux aller aux toilettes? Non, parce que papa il prend encore sa douche. Toi tu pues. Toi tu pues. Tu vas venir là et puis dès que la douche elle se libère, tu pourras venir. Oui, je manque évidemment d'une douche ici. C'est un peu le bordel. Hein. Et mes chats continuent à faire le. Oh my god, quoi, c'est pas possible. Je vous jure, 30 secondes avant que je commence, c'était le calme absolu. Je suis désolée. Oh punaise, c'est pas possible, ces chats. Ce n'est pas possible. C'est comme le jeu Tetris, vous savez, un peu casse-tête le truc. Tiens, tu vas aller aux toilettes, même si t'as pas trop besoin. Il faut caser tous les besoins des gosses. Oui, enfin voilà, moi il me manque clairement une salle de bain. Une douche, alors ça va être l'objectif aussi de faire une douche et un PC quoi. Peut-être réduire la maison aussi. Ah, les cours dans une heure. Oh ah bah attendez, il y a un truc que j'ai pas encore fait. Qui c'est qui est frais et dispo? Aurélie, tiens, tu vas, c'est ce que tu vas faire. Tu vas mettre la table. Table de défait, table de thé contracté, bleu, brun clair, rouge, jaune. C'est moche. Tu vas faire du bleu. Parce que t'es une alien et que t'es déjà bleu, donc ça ira très bien avec ta peau. Et puis comme ça, moi, je vois comment ça fonctionne de faire mettre la table, parce que ben, moi, je l'ai vu sur des streams, je l'ai vu sur des... Mais je l'ai jamais fait, voilà. Ça a l'air des bonnes manières, c'est très très bien. C'est très joli, ma petite. Voilà. Toi, je te vois venir. Non. Tu vas pipiter. Non. Nicolas, il va? Non, c'est bon. Mon papa, dépêche-toi de faire à bouffer. Merde. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Reprendre pain perdu. Ah, mais ils viennent tous là. Oh, et puis papa, il part un temps fou. Toi, tu sais quoi? Tu t'assois. Voilà, ça va être bon, là. Toi, tu t'assois aussi, ma chérie. Hop. Et je t'ai dit non, espèce de gougnafier. Oh. Putain, mais papa, dépêche-toi de cuisiner. Allez. Ça y est, et puis ils arrivent tous, attention, les morphales. Hein. Oh, elle course contre la montre. Alors, hop, appelez à table. Voilà, comme ça, au moins ça c'est fait. Toi, tu vas pas chercher à manger. Toi, tu vas pas chercher à manger. Niveau 6 de la cuisine. Ah, mais je t'ai dit non, toi. Oh, punaise, c'est pas possible. Tant, trop, beaucoup trop de marmaille à mon goût. Beaucoup trop. Puis du coup, ça a sauté, là. Ils font mettre la table, mais ça se disparaît aussi sec. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. Ça reste pas. Voilà. Et il manque...
Merde, il doit bosser. Travail qu'on a... Qu'aimerez-vous faire? Non. Travailler depuis la maison. Ouais, voilà. Il en manque un! Aurélie. Aurélie, tu peux même pas faire de photos de famille à cause de toi. Tu te fous de ma gueule un peu. Voilà, moi je voulais qu'ils soient tous à table et puis bah, elle est pas à table. Voilà, John et ses enfants. Toute cette marmaille. C'est beau quand même. C'est presque beau, voilà. Et hop, je fais une petite photo. Ça, c'est vraiment. Il faut que vraiment que j'enlève parce que c'est comme ça de dire ça. Chiant. Une belle petite photo de famille. Voilà. Non, on va rejoindre aucun groupe. Bon, allez, hop. La marmaille. Au boulot. Bon, bah, tu sais quoi, tu vas aller au pipi room avant. Et puis c'est tout, comme ça, ce sera fait. Allez, Louise, au lieu de regarder en l'air, là. Tu manges. Oh. Et puis, nous, on va se faire des pépettes avec les assiettes. Ha ha ha! C'est pour ça que je veux absolument qu'il mange ce que le père il vient de faire à bouffer, parce que ça nous fait 8, 9 assiettes. 9 assiettes à jeter. Quand tu veux. Oui, d'accord. Bon papa! Toi, tu vas te faire des amis. Toi, tu vas te faire des amis. Hop. Et toi? Oui, il est parti, d'accord. Non, mais toi, ton taf, alors, tu dois faire quoi? Prendre une photo dans un bar, avoir 150 abonnés sur les réseaux sociaux. Bah, voyons. On n'avait pas que ça à foutre, disons. Hop! Non, en attendant, hein, je vais jeter les poubelles parce que. Les poubelles, les assiettes. Niveau 4 de compétences peinture pour John. Ce qui est plutôt pas mal. Et la dernière assiette, je ne peux pas. L'enlever. Eh ben tant pis. J'ai tout ce qu'il me fallait. On va éteindre la musique et tout ça. Ouais, tu peux vendre ça. Oh, un petit peu de pognon en plus. Nicolas a rencontré Max. C'est très bien. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, ça y est, ça commence. Triche repérée. Un instituteur a surpris Philippe en train de copier sur un autre élève pendant un contrôle et l'a envoyé chez le directeur. Je suis sûre que c'est une erreur. Faites-lui repasser le contrôle. Oui. On lui fait repasser le contrôle. Faut pour. Oh putain. Triche repérée! Faites-lui repasser le contrôle! C'est bon là, on va pas l'avoir 15 fois. Mais papa, on va aller au bar. Parce que il faut y aller, donc. Non, on y va seul. Et nous voilà dans le bar. Alors, il faut prendre une photo dans un bar. Allez à un endroit du bar et prenez une photo. D'accord. En fait, on s'en fout de ce qu'on fait. D'accord. Bah, tu vas venir là. Et tu vas prendre une photo. Prendre une photo. Prendre une photo. Voilà. Oh! Mais regardez, on va mettre le barman avec ses fanions et ses trucs comme ça. C'est pas mal. C'est presque comme si il posait. Alors, tac. En plus, il a une compétence assez médiocre. Voilà, il a acquis la compétence photographie. Et avoir 150 abonnés sur les réseaux sociaux. Ben, c'est très bien. C'est-à-dire que tu vas déjà bouger ton cul. Tu peux peut-être te présenter. Voilà, tu te feras un nouveau copain. Un nouveau copain. Parce qu'ici, on n'a pas de PC, on est d'accord. Hein. Ça va vraiment, vraiment nous manquer. On a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas les PC. Eh ben, on va aller à la bibliothèque. Oh mince! Parce que là, il est en train de nous faire un truc super, quoi. Vas-y, tu peux refaire une photo, du coup? Ouais, bah là, il a pas fait ce qu'il fallait, quoi. Oh bah. Oui, mais non, mais là, c'est nul, mon gars. Regarde, il est en train de regarder sur son comptoir. Ah, bon, bah, non. Bah, non. Du coup, on va faire ça et on va annuler. Bon, allez, on va filer à la bibliothèque parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Non, tu vas toujours tout seul, mon gars. Et nous voilà à la bibliothèque de Windenburg. Wittenberg. C'est-à-dire qu'il n'y a que des tablettes? Mais pourquoi? Ben non. Ah, il a trouvé un PC!
Oh punaise, d'accord, je l'avais pas vu. Oh, d'accord. J'étais en bug. Eh ben, c'est super, il fait lui-même son taf, hein. Alors, vas-y, mets à jour ton réseau social, mon grand. Tu me diras si ça fonctionne, si t'as des frânes. Alors, John a désormais 95 abonnés, c'est cool. Eh ben, tu vas remettre à jour. Et tu vas remettre à jour. Comme ça, vu qu'on en gagne à peu près 25 à chaque fois, il nous en faut 150, on sera déjà pas mal. Ah! Franchement, travailler à domicile, ça va, c'est cool, hein. Tiens, du coup, on va te faire réviser assidûment. Réviser. Parce que le but, quand même, c'est qu'ils aient une bonne note, hein. On va pas se mentir. Hop, et hop. Avec un peu de chance, 115 abonnés sur 150. Niveau 2 de la compétence charisme. 130! C'est bien! Alors, tu sais quoi? Est-ce que tu vas t'entraîner un peu à écrire? Et après, eh ben, tu pourras remettre à jour ton statut. Voilà. Tu pourrais même écrire des blagues, tiens, ça pourrait être rigolo. Tu seras vraiment opérationnel sur tous les niveaux. Mon papa, il a trouvé une petite pause pour faire une toile, sauf que ben il faut qu'il apprenne à ses enfants à dire s'il vous plaît, merci. Parce que par exemple, Philippe, il est pas très il a mis la table, ce qui est pas mal. Mais c'est quand même pas Jojo. Aurélie, qu'est-ce que tu fais où? Ça va, elle fait les. Oh là, puis y a des. Ça part dans tous les sens. Aurélie, elle, c'est résolution de conflit. Qu'est-ce qu'il faut faire, résolution de conflit? C'est quand même. Et comment on va dire pardon, essayer d'être amis en meilleure relation mentalement. D'accord. Lui, il a aussi les manières contre les. C'est vrai que j'ai pas du tout fait attention à ce comment il fallait faire pour résoudre toutes ces merdes-là. Hein. Ouais, alors il va falloir apprendre à dire s'il vous plaît merci à tous les gosses. Bon, alors on va commencer par Philippe et après on fera par ordre en fait, comme ça. Parce que sinon on est mal barré. Vas-y, arrête ta toile, John, et attaque l'éducation de ton gosse. Ils sont tous. Alors ceux qui n'avaient pas fait leur devoir, il serait peut-être temps de les faire. Toi, tu l'as fait. Toi, tu l'as fait. Toi, tu vas les faire, au lieu de danser comme un abruti dans le salon. Toi, tu vas les faire aussi. Toi, non, c'est bon. Toi, tu vas les faire. Et c'est bon, voilà. Oh, les grimaces et tout. On va essayer de les faire interagir comme ça. C'est peut-être comme ça qu'il va se passer des trucs gentils au niveau de. Manière, contre les émotions, responsabilité, empathie. Ouais, peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mec. Ah, si, vous voyez, les manières, elles augmentent. Empathie. Ah. Taquiner à propos du big. Ah, vas-y, allez. Discuter des centres d'intérêt. Ça me fait rire la grimace. Je suis désolée, ça me fait rire. Mais je sais pas si ça augmente les manières ou pas, d'ailleurs. Parler de son animal préféré. Peut-être me parler de l'école. Et est-ce que. Non, elle fait ses devoirs, donc c'est parfait. Ah, lui, ses manières augmentent. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est cool. Ouais, ils travaillent bien tous là, c'est très bien. Lui. Les manières, ça y est, ça diminue un petit peu. On va peut-être être dans le rose. Dans le rose, dans le vert. Papa. Oh! Oh! Oh là là. Oh là là. Discipliner, comment va? Calme. Demandez de ne pas mettre le bazar. Bon, on l'a nettoyé juste après, hein, donc ça va. Et lui, il va aider à faire ses devoirs. C'est un bon père quand même, hein?
On peut pas le dire. On peut pas le nier, je veux dire. Bah oui, ma fille. Non, mais c'est bien. Tu vas aider à faire les devoirs. Allez, arrête avec la maison poupée. Lui, les manières, ça va un peu mieux. Bon. C'est un peu le boxon, je dis. Hein. Ça va, nettoie et tout. C'est très bien. Ils font pas de conneries. Moi, je dis que ça va. Ouais. Eh, mais tu vas pas dormir, et toi non plus, hein. Oh là là. Et puis, papa, il va faire à manger. C'est un vrai père de bon père de famille. On va manger des boulettes de viande à l'italienne. Miam. Ça me donnerait presque envie de me transformer en Sims, tout ça, moi. Allez, papa, tu vas appeler à table tout de suite. Allez, j'ai dit avant. Oh. Voilà. Non, mais il y en a, je lui ai redit de pas aller se coucher, ils sont partis se coucher quand même, quoi. Après, toi, tu viens manger et tout, c'est parfait. Des bonnes boulettes de viande. Alors, on est à 1500 Simflouz, on va pouvoir s'acheter un petit PC. Un petit PC, il faut le bureau et la chaise avec. Hein. Ah ouais, mais on va vendre la toile, papa il va faire la toile après. Mais papa, pourquoi tu te reçois pas? T'es con quoi? Ah, il fallait qu'il fasse un câlin à son garçon, d'accord. Bon, alors, tu vas leur parler à tous quand même. Tu vas illuminer la journée. Tu vas exprimer son amour. Raconter une histoire incroyable. S'enthousiasmer à propos du repas. Re-illuminer la journée. Et à lui, tu vas... se renseigner sur l'école. Et à elle... Ah, mais non. Si, si. Mange aussi, hein, papa. J'arrive pas. Elle veut pas se faire cliquer dessus. Mais pourquoi il fait le tour? Oh là là, ils savent pas parler un bout à l'autre de la table, quoi. Donner une leçon profitable, voilà. Mais pourquoi ils sont jamais tous assis à la table en même temps? Et c'est pas possible. Je vais virer de toute façon la banquette, là, pour gagner des thunes. Mais je vois pas ce qu'il fout aussi dans le canapé, quoi, lui. Ça pourrait être parfait comme ça, ils pourraient être tous à table. Je me suis... En plus, on s'est endetté. J'ai endetté le foyer pour qu'ils puissent avoir une grande table comme ça pour pouvoir s'asseoir tous dessus. Et voilà ce qu'ils font, ces Sims. Franchement, hein. C'est triste. Hein. Exprimer son amour. Non, reviens, Nicolas. Nicolas, je l'ai repéré, lui. C'est le petit... C'est le seul qui est métis et roux. Donc, avec des yeux verts magnifiques. Il est super beau, ce garçon. Ce gamin. Donc, je pense qu'il va être... Qui va être très beau en grandissant. Enfin, j'espère du moins. Ah, nous avons Lilith à la porte. C'est vrai qu'on n'a pas de bébé vampire. Mais bon, là, ça va pas être possible. À moins qu'on la... Eh, on pourrait la mettre enceinte. Lilith, ça pourrait être rigolo. 8 enfants. Ah, vas-y, va chercher Lilith. C'est pas grave, sinon ce sera pour une autre fois. C'est elle qui l'élèvera. Oh, c'est mignon. Niveau supérieur, niveau 6 de l'éducation. C'est ouf. Exprimer son amour. Ah, bah la voilà, Lilith. Bon, bah c'est super. Moi, je vais débarrasser les assiettes comme ça. Exprimer son amour à elle, là, que je sais plus comment elle s'appelle. Charlotte? Charlotte, c'est ça. C'est très bien. Vas-y, partage les idées, parle à Lilith et tout. Non, mais j'ai dit partage les idées. Bon. Ouais. Elle continue une histoire incroyable. Parce que nous n'avons pas de bébé vampire, donc ce serait intéressant. Tiens, pendant que t'es élevé, toi, tu peux débarrasser ça, du coup. Tu vas être lavé. Tu vas aller aux toilettes. Tu seras utile, mon petit Nicolas. Au niveau de ce... Ah, ces manières, ça... Oui, c'est quand même... On remonte, peut-être, je crois. Je sais plus. J'arrive pas, il y a trop de gosses. Je sais pas quoi faire. Non, vas-y.
Arrête, tu fais ta life, mais tu laisses. Toi aussi, tu vas te laver et tu vas dormir. Papa, il doit discuter de choses intéressantes avec, avec Lilith. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais te vanter de ta famille, non? Voilà. Tu as vu tous mes enfants? Oui. J'en ai de la chance, hein. Ils sont tous beaux, ils sont tous presque bien élevés. Mais presque seulement. Bon. Elle a l'air réceptive, la petite. Elle a l'air réceptive. Eh, on peut pas dire, hein, avoir autant d'enfants, John, c'est un chaud lapin, hein, quand même, hein. S'enthousiasmer des propos de centre d'intérêt, je vais y arriver. Mais il n'y a pas la petite barre rose qui est apparue. Puis tu vas finir ta toile, mon petit. Histoire qu'on la vende. Waouh! Bon, alors. C'est bon ou c'est pas bon là, là y a... Ah, ça y est, il y a un peu d'amour. Là, là, là. Oh, j'ai cru qu'elle allait se diriger directement dans la chambre de John. Je veux dire, punaise, elle perd pas de temps, elle. Hein. T'as fini? Eh ben, tu es avant. 193 simflouz, ça, c'est bien. Alors, est-ce que tu veux... Parce que là, t'es quand même en manque clairement d'amour, mon petit. Tu vas parler des rêves, si tu veux. Tu vas partager des photos. Regarde mes enfants quand ils étaient petits. Oh. Dis que c'est son intérêt, parce qu'on va, on va noyer la conversation de... aguicheuse. Elle ressemble pas vraiment à Caleb, hein. Vas-y, complimente-lui l'apparence. Illumine-lui sa journée. Et puis, on va quand même encore draguer un chouille. Et la prochaine fois, on pourra lui faire faire le grand jeu. Après, l'emmener en rancard à une vampire, ça risque d'être compliqué, hein, avec tous les gosses. Faut le caser dans l'emploi du temps. Ouais, elle kiffe. Bon, tiens-toi sur la carrière, mais elle fait rien, je pense. Oh, il a fait une connerie! Bon, allez. Dans ce cas-là, tu sais quoi? Tu éteins, tu lui demandes de partir, mince. Lily, t'es sans emploi, bah, tu m'étonnes. Tu demandes de partir, et puis dodo, parce que là, on va. T'es mort! Ouais, t'es mort. Et comme ça, ce sera pas mal. Allez, salut Lilith, à la prochaine. Et John, tout pantelant, il va aller se coucher. Oh putain, il y en a une qui m'a pété la baignoire. J'en peux plus ces gosses. Alors rapidement, on va passer en mode construction. Je vais aller acheter le bureau et le PC pour le papa, parce qu'il va avoir besoin pour travailler. Oh, des tout petits bureaux. Ouais, bureau pour enfants. Pas sûr que ça marche, si. Non, bah, non, on va pas prendre ça. On va prendre le bureau comme ça. C'est très bien. Hop. On a largement de la thune, de la thunasse. Ouais, et ben pour l'instant, on va prendre celui-là. Hein. On va pas. Parce que les thunes, elles vont aller vite. Et moi, je prends toujours ce siège-là. Et voilà. Comme ça, Papounet, il pourra ben, prendre. Travailler depuis chez lui. Et ça, c'est une grande première. Ah, mais j'ai tant que j'y étais. On va reprendre une douche. Tac, tac. Est-ce qu'on peut prendre une douche bain? Oui, nous pouvons. Et voilà. Comme ça, on aura trois salles de bain qui font conformes. Et qui. Voilà, quoi. Qui tout va bien. Pff, on est de retourner. Et on est donc retourné à 450 simflouz. Le chiotte ici, il pue. La baignoire là, elle est pétée. Tout va bien, ce sera pour le prochain épisode. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là.
Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode ou un prochain let's play. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!